Wir leben in gesellschaftlichen Dominanz- und Differenzverhältnissen. Das heißt, meine Wertvorstellungen, Handlungsmöglichkeiten, Umgangsstrategien und so weiter sind von diesen Verhältnissen beeinflusst. Mal mehr, mal weniger. Wenn sich beispielsweise marginalisierte und rassifizierte Jugendliche nicht als Teil der Gesellschaft erleben können, sich nicht mit all ihren Identitätsanteilen gesehen und wertgeschätzt fühlen, ist es möglich, dass sie auf Gruppen treffen, die ihnen genau dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit geben. Und zwar durch die Kritik am antimuslimischen Rassismus. So nach dem Motto: Schau mal, du lebst seit der dritten Generation in Deutschland und wirst immer noch nicht akzeptiert, wirst immer noch pauschal als Terrorist, als frauenverachtend, als kriminell gesehen. Natürlich, das möchte ich betonen, ideologisiert sich nicht jeder Jugendliche, der antimuslimischen Rassismus erlebt hat. Und es gibt keinen kausalen Zusammenhang. Und es ist auch nicht so, dass sich nur muslimisch sozialisierte Jugendliche radikalisiert haben. Bei der Hinwendung zu ideologischen Gruppen spielen weitere Faktoren eine Rolle, zum Beispiel die Eltern-Kind-Beziehung oder die Vater-Sohn-Beziehung oder auch sozioökonomische Verhältnisse spielen dabei eine wichtige Rolle. Le contexte français est aggravé par une décolonisation qui n'a pas été soldée et qui malheureusement déchaîne encore beaucoup de débats emportés, ce qui explique pourquoi toute une jeunesse, voire sur 2 ou 3 générations, se recroqueville, se crispe dans un repli identitaire. La propagande djihadiste s'appuie également sur un discours victimaire pour renforcer la culpabilité d'un individu, d'un jeune, en disant il y a des enfants syriens qui sont assassinés par le régime, il faut aller les sauver, ou tout simplement tu vis dans des conditions indignes, tu es victime d'injustices sociales, etc. Donc on va jouer sur un sentiment de frustration et de culpabilité quand on s'adresse à des jeunes qui n'ont pas ce sentiment d'injustice, hein, principalement des jeunes de classe moyenne, voire même de classe moyenne supérieure. Et il y a aussi un élément très important qui est mobilisé par cette propagande, ce sont les discours complotistes qui sont souvent utilisés pour légitimer le recours à la violence envers l'autre, coupable, méchant, inhumain, etc., etc. Le complotisme, c'est un moment du crime terroriste. C'est un moment à plusieurs titres. D'abord parce que c'est un levier de recrutement. On se sert d'un discours qui vise à hystériser le débat, à dramatiser les sujets. Et on se sert de cette théorie du complot pour justement mobiliser les gens, les radicaliser, leur dire, regardez, votre nation, votre religion, votre communauté, votre société, votre civilisation est menacée de manière imminente par un complot mondial extrêmement grave. Donc mobilisez-vous, levez-vous. C'est ce qu'on voit dans des vidéos, par exemple, de recrutement djihadiste. C'est un discours qu'on entend également du côté de terroristes suprémacistes blancs, d'extrême droite. Donc là, il y a quelque chose de tout à fait convergent. Je crois qu'il n'y a pas une solution unique pour combattre le complotisme et l'endiguer. D'abord, il faut se dire qu'il faut apprendre à vivre avec, parce qu'on en a pour longtemps. C'est pas quelque chose qui va disparaître comme ça. Il n'y a aucune raison. Donc, faut apprendre à vivre avec. Et apprendre à vivre avec, ça ne veut pas dire être complaisant avec. Ça veut dire savoir où est la limite, savoir l'endiguer précisément et en limiter l'influence, notamment en prenant ses responsabilités lorsqu'on fait profession d'informer ou de gouverner.